Je voyais mon père déjà faire ce métier-là avec tellement d'amour que c'est un métier qui m'a toujours captivé, qui m'a toujours passionné. Et je me suis jamais posé la question si j'aimerais faire autre chose. C'était ça et rien d'autre. C'est un métier émouvant, plein de passion, plein d'émotions. C'est un métier où on fait des rencontres tous les jours. C'est un métier où la maturité est importante au fur et à mesure du temps. Donc c'est un métier qui est exceptionnel. Peut-être un peu trop en pamplemousse. Que la gastronomie française continue à plaire à l'ensemble de la population mondiale. Elle continue à plaire à beaucoup d'amateurs, elle continue à plaire à beaucoup de connaisseurs, elle continue à faire voyager beaucoup de monde. Et il nous fallait, je pense, depuis quelques années, un classement qui répercute le travail de chacun. Et je pense qu'on l'a avec la liste. Vous voyez que c'est 1000 chefs, 1000 maisons dans le monde entier. Donc c'est 1000 qui sont gardés sur les milliers qui existent dans le monde entier. 33e, pour moi, c'était déjà royal, c'était top. C'est le résultat du travail de plein de monde. Il y a le résultat du travail des équipes et de moi-même au sein de mon restaurant, dans ma région. Mais ce travail-là, il est noté par le Michelin, par le Gomillo, par plein d'autres guides aussi. Après, il y a le résultat des journalistes qui viennent chez nous, qui viennent découvrir notre maison et tout. Et comme je disais, le résultat des consommateurs qui viennent consommer. Lui, ce qu'ils veulent qu'on vive, qui est le consommateur dans nos restaurants, c'est se régaler, c'est recevoir une émotion. Partout dans le monde, on mange bien aujourd'hui. Partout dans le monde. C'est pour ça que la liste, elle est importante. Parce que la liste, elle ne référence pas qu'une catégorie de chef, une catégorie de restaurant, une catégorie de gastronomie. Elle référence toute la gastronomie mondiale. Et c'est ça qui est important avec la liste. C'est pas une vision étriquée de ce qui pourrait se passer dans certains pays ou quoi que ce soit, c'est le monde entier. Et c'est ça qui est agréable.